Comment peut-on tirer parti de la ultra haute définition dans un film réalisé en haute définition? Au départ, l'image 4K comporte 4 fois plus de pixels et par conséquent couvre une surface 4 fois plus grande que la HD. Il suffit alors de déplacer l'image 4K, comme ceci par exemple. Ce qui donne avec des variantes de vitesse, ceci. La prise de vue est réalisée à l'aide d'un pied, ou simplement, avec la caméra posée sur un support rigide. Le plan suivant nous montre à quel point il est facile de contrôler le déplacement de la caméra avec une grande précision. La péniche sera observée de la proue à la poupe avec une vitesse de translation légèrement inférieure à la vitesse du bateau. Avec un peu d'imagination, les panoramiques peuvent être traitées d'une façon originale. Ce système autorise une grande précision des mouvements de caméra, une grande fluidité, ainsi qu'une régularité quasiment parfaite. Ce procédé permet aussi de dézoomer, sans quitter la haute définition. Une autre application est celle qui consiste à suivre un événement. Ici, l'artiste est recadré en permanence. Dans le plan suivant, la mise au point est faite sur le bâtiment et passe progressivement sur la statue. C'est donc la seule opération réalisée au tournage. Dans ce cas, un simple zoom sera réalisé à partir de l'image 4K complète vers le cadre respectant la haute définition. Ceci est exécuté pendant la transition de la mise au point. Et qu'en est-il lorsque l'appareil est placé verticalement? Après avoir redressé l'image,
La trajectoire d'un travelling vertical est de 3,5 fois la hauteur de la fenêtre HD. Au-delà du simple travelling, il est possible de réaliser un fondu enchaîné, avec les images se déplaçant à la même vitesse. Pire encore, diraient certains esprits chagrins, voici le même fondu enchaîné, mais dans des sens opposés. Et pour terminer, plus fort encore, la même image superposée, avec travelling en sens opposé. Oufti.